Paris refuse de négocier avec des terroristes. Alors qu'un groupe islamiste menace d'exécuter un otage français, le gouvernement se montre ferme. Les autorités ont confirmé lundi soir l'authenticité de la vidéo montrant le captif, Hervé Gourdel, un guide de haute montagne, enlevé par un groupe algérien. Selon les autorités françaises et algériennes, le Français a été kidnappé dimanche soir dans la région de Tizi Ouzou, à 110 km à l'est d'Alger. Le groupe qui revendique son rapt se dit lié aux djihadistes de l'État islamique et menace d'exécuter l'otage dans les 24 heures si la France poursuit ses opérations en Irak. Mais pour le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, pas question de céder aux menaces, même si la situation est extrêmement critique. L'annonce de cet enlèvement est survenue quelques heures après un appel de l'EI à tuer les citoyens de la coalition internationale mise en place pour combattre le groupe islamiste. La menace s'adresse particulièrement aux Français et aux Américains.